Bonjour les amis. Monsieur Chakalewa, séparez-vous rapidement. Monsieur, séparez-vous rapidement. C'est quoi ça? Monsieur, il y a quoi, monsieur? Elle est en train de rien, juste poser ma main. D'ailleurs, même ça vous gêne à quoi? Monsieur, vous êtes dans une salle de classe. Vous pouvez. Parlez-vous. Venez ici. Monsieur, pour votre respect, je le fais. Bien, qui peut me dire ce qu'on a vu la dernière fois? Un bref rappel de la dernière fois, de ce qu'on a vu la dernière fois. Bon, je me rends compte que à chaque fois, oui monsieur. Si on a vu les manifestations, je ne sais pas. Les amis, je tiens à vous appeler que mademoiselle. Ce sont les enfants comme ça qui ont pris la vie. Bon, les amis, je tiens à vous rappeler que on amorce déjà la période du bilinguisme. Et vous savez que notre chef de l'État est bilingue. Donc, tous ici, vous devez apprendre à vous exprimer en anglais. Voilà pourquoi je vais distribuer les thèmes exposés. Donc, vous allez aller faire les recherches. Et ensemble, ici, vous reviendrez ici avec cet exposé que vous allez nous les présenter. Est-ce que vous me suivez? Monsieur, il n'y a pas la date. J'ai une question. Donc, monsieur, quand vous parlez du bilinguisme, n'est-ce pas? Moi, comme moi personnellement, je ne comprends pas ce que c'est que le bilinguisme. Aucun camarade de classe cherche, dit ici qu'il ne comprend pas bien ce que me dit bilinguisme. Quand on dit de bilinguisme, il revient le mot bilingue. Et qui dit bilingue, ça veut dire c'est s'exprimer en langue anglaise. Est-ce que vous suivez ça? C'est bon, j'ai posé votre question. Alors, je vais répondre au monsieur là-bas derrière. Tu as pas fait les gens. Bon, moi, je demande ça. Oui, il a jamais mangé. Tu vois un enseignant, tu vois ton enseignant. Il n'y a pas le respect de ta profession. Vous pouvez être respectueux. Je vous en prie. Écoutez, lorsqu'un enseignant se tient devant vous, ça c'est une leçon de morale que je vous donne. Lorsqu'un enseignant se tient devant vous, vous le devez d'avoir premièrement respect. On ne vous voit pas, on ne vous voit pas son supérieur. On ne tutoie pas son supérieur. On tutoie un membre de la famille. On ne voit pas un membre de la famille. Est-ce que vous me suivez? On ne tutoie pas un supérieur. Est-ce que vous m'avez compris? La semaine prochaine, c'est la journée du bilinguisme.
Notre leçon intitulée d'aujourd'hui va être intitulée Mbala. Ça veut dire en français la pharmaco. Oui, je vous remercie. Allez là rapidement pour écrire la lettre tabla. Oui, venez monsieur, venez rapidement. Allez, monsieur, vous. Voyons, garçon. Qu'est-ce qu'il y a là? Merci, monsieur, c'est quoi ça sur votre tenue? Ça, c'est quoi? C'est pas ce qu'on vous a mis, on vous a donné la tenue. Il faut me retirer ça, d'accord? Il faut retirer ça, il n'y a pas de mima dans ça. Allez-y, écrivez la date tout à l'heure. Objectif à atteindre au cours de cette leçon. L'objectif que nous devons atteindre au cours de cette leçon est très simple. Je n'ai pas compris. Ne pas la bêtise. Vous savez que au Cameroun, les Bamlessiens, les gens qui sont de peur, les Bamlessiens sont les gens qui. Parce que le bêtis se déplace loin. Vous allez vous en rendre compte que quand on vit au centre, la majorité des habitants qui y résident, ce ne sont que les Bamlékés. Voilà pourquoi est-ce qu'on les appelle en français les allogènes. D'accord? Vous écrivez. Oui, si vous faites un mais monsieur, vous ne tenez pas les notes. Monsieur, est-ce que j'écris ce que je ne comprends pas, monsieur? Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas, monsieur? Monsieur, quand vous écrivez les balades de tir, pharmacopées, c'est que ça signifie quoi, monsieur? C'est très simple. J'ai dit ici que c'est très simple. Je vous ai dit, je ne peux pas essayer toutes les langues à la fois. Le ministère a donné un programme aux enseignants à suivre qui est l'APC. Est-ce que vous me suivez? Donc je ne peux qu'enseigner ce que le ministère aura. Très bien. Monsieur, comme par exemple, alors nous sommes au centre. Oui. Comme les élèves, nous sommes au centre, situés au centre et les douala ou les tirants. On va donc enseigner. On va toujours les enseigner le bêtis. Parce que je vous ai dit, les bêtis ne sont pas comme les bamlékés. Vous savez, les bamlékés se déplacent tellement. Vous voyez que les bamlékés, c'est ceux-là qui se déplacent tellement. Ils sont un peu de partout. On doit faire un pas sans rencontrer un bamléké. Vous allez vous en rendre compte que au jour d'aujourd'hui, vous voyez vos quartiers, on va dire quartier Bani, quartier tel, quartier Tak, quartier Tamou, et tout ce qui va. Si vous voyez, peut-être dans cette salle, on va se rendre compte que la majorité des élèves de cette classe ne sont que des bambiqués. Bon, combien de bambiqués dans cette classe? Vous voyez que les bambiqués sont en train de baisser les doigts. Parce que quand la pose s'impose, le professeur qui se pose à cette pose va s'imposer. J'ai le pouvoir d'occuper votre poste, monsieur.